Ne te couche pas sans avoir mangé deux clous de girofle. Ceci a des avantages énormes pour ta santé. Coucou à toute la famille Marie-Léonie Coach. J'espère que tout le monde se porte très bien ce soir. Je suis ravie comme toujours de vous retrouver sur votre canal de santé et de beauté. Alors, likez la vidéo avant qu'on ne commence, ok? Ce soir, je vais vous partager quelque chose pour les hommes et les femmes. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent le clou de girofle, mais ne savent pas aussi qu'il peut être dangereux si l'on l'utilise mal. Alors, au moment de se coucher, manger deux clous de girofle a des avantages énormes. Des bienfaits pour votre santé. Mes amours, regardez très attentivement cette vidéo qui ne dure pas longtemps. En mangeant seulement deux clous de girofle avant de dormir, voici ce qui se passe dans votre corps. Alors avant toute chose, pensez à vous abonner sur cette chaîne, partagez le contenu pour que ça impacte un maximum de personnes. Alors, beaucoup de gens aiment manger, mais détestent se laver les dents. Si vous souffrez de rage de dents, de la carie dentaire, des plaques dentaires et de la mauvaise haleine, prise en bain de bouche, le clou de girofle peut aider à prévenir l'apparition des plaques dentaires. En prenant régulièrement une décoction de ce puissant antibactérien, vos dents sont protégées et propres. Buvez-le avant d'aller dormir. C'est tout simplement exceptionnel pour booster les défenses immunitaires et pour soigner le corps. Les bienfaits les plus ignorés du clou de girofle, c'est qu'il permet de faciliter la digestion et de lutter efficacement contre les douleurs. Le fait de consommer régulièrement le clou de girofle dans vos boissons comme le thé, le café, vous ferez le plein d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, ce qui est en fait une solution parfaite pour lutter contre les problèmes de peau comme l'acné, le psoriasis et bien d'autres encore. Le clou de girofle est également un très bon antifongique et vous aidera donc à repousser les attaques des bactéries, en particulier au niveau des poumons. C'est aussi un agent efficace pour lutter contre le paludisme. Mes amours, le clou de girofle est également un aphrodisiaque puissant, principalement parce qu'il booste votre force physique et musculaire, mais aussi parce qu'il stimule votre production de testostérone, l'hormone là qui influe sur vos performances. Monsieur, sachez-le dès à présent. Une étude menée au début des années 2000 en Inde a en effet mis en lumière les propriétés de ceci sur l'impact pour les hommes, pour les femmes dans leur intimité. Les résultats étaient, je vous en conjure, stupéfiants. Pour bénéficier de ces propriétés dans votre couple, encore faut-il savoir comment utiliser le clou de girofle. En effet, il peut être néfaste pour votre foie si vous le prenez de manière trop régulière ou même à des doses trop importantes. Si vous l'utilisez sous forme d'huile essentielle, vous pourrez intégrer dans vos petits plats en respectant tout simplement un dosage bien précis. Une goutte, je réitère mes propos, une seule goutte, pas plus. En le faisant bien sûr lorsque votre préparation sera au préalable cuite, car il ne faut jamais cuire l'huile essentielle du clou de girofle, c'est interdit. Vous pourrez l'associer aussi à une boisson par exemple comme le thé vert ou même le café. Et donc pour obtenir des résultats plus efficaces, il sera également tout à fait possible de l'associer au gingembre ou même à la cannelle, également connu pour leur propriétés aphrodisiaques. Vous pourrez également utiliser l'huile du clou de girofle pour masser votre jules. Attention cependant, ne faites jamais avec l'huile essentielle pure car elle peut être dangereuse pour votre peau et peut même provoquer des réactions allergiques. Diluez toujours ceci dans une autre huile, par exemple de l'huile d'olive ou même dans l'huile de karité pour masser votre jules avec. Mais aussi, vous pouvez utiliser ceci pour masser votre colonne vertébrale et le plexus solaire. Je vous assure mes amours, ça vous transforme complètement. Maintenant, comment préparer votre infusion magique? Pas de panique, c'est plus facile que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pouvez utiliser les clous de girofle naturels. Vous devez les moudre avant de les mettre dans votre thé. En raison d'une seule cuillère à soupe pour une grosse tasse de tisane ou de thé dont vous disposez. Si vous ne disposez pas d'un broyeur, alors contentez-vous tout simplement d'un mortier ou alors du clou de girofle en poudre, car il restera frais et le clou de girofle gardera ses propriétés avec le mortier. Versez le clou de girofle dans de l'eau bouillante, laissez infuser pendant au moins une demi-heure. Une fois que votre tisane est infusée, vous pouvez utiliser un tamis afin d'extraire votre boisson surmagique. Vous pouvez la consommer chaud ou froid avec un petit peu de miel pour avoir un goût sucré agréable à votre choix. Ne dépassez pas une tasse de tisane par jour, s'il vous plaît. Prenez-la de préférence une demi-heure avant d'aller faire votre combat, mes amours. Ce sera exceptionnel. En conclusion, ne dépassez pas les doses, sinon ça risque de devenir toxique pour vous et endommager votre foie. L'huile de clou de girofle n'est nullement recommandée pour les femmes enceintes qui allaitent
ou pour des enfants de moins de 12 ans. Vous devez toujours diluer l'huile si elle est pure pour éviter son impact dermocaustique. Ne l'utilisez pas non plus dans votre bain ou même en inhalant. Si vous avez des problèmes de tension ou des problèmes hépatiques, alors évitez cette huile. Et pour vous, mesdames, je ne vous oublie pas. En cas d'odeur, de démangeaison ou même de perte, faites bouillir 3 litres d'eau, mettez-y 10 g de clous de girofle ou même 3 gouttes d'essence de girofle et asseyez-vous en bain de siège. Voilà mes amours, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je veux voir un maximum de likes. Pensez à vous abonner, à activer toutes les cloches de notification. Sur ce, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.